Dans un live Instagram présenté par Sylvie Théé, Nathalie Marquet, qui a été invitée, s'est laissée aller à quelques confidences. Elle a avoué avoir été harcelée pendant plusieurs mois par un célèbre homme politique dont elle souhaite taire le nom. Ce mercredi 22 avril, c'est Sylvie Théé qui a organisé un direct. Et durant ce dernier, elle a invité Nathalie Marquet, ancienne Miss France. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la femme de Jean-Pierre Pernaut s'est laissée aller à quelques confidences pour le moins étonnantes. Nathalie Marquet révèle avoir été harcelée par un célèbre homme politique pendant plusieurs années. Je ne sais pas si les gens savent, mais il y a un politique qui avait eu un gros béguin pour toi. Lancée tout d'abord Sylvie Théé. Elle répond ensuite, on a fait une rumeur sur Jacques Chirac, alors que ce n'est pas du tout lui. Et que lui, au contraire, ça a toujours été un homme bienveillant envers moi. Il y en avait un autre, mais je ne pourrais pas dire son nom. Mais il était insupportable. Quand je partais en gala, il savait dans quel hôtel je me trouvais. Et tout de suite, au réveil, on me disait un coup de téléphone de Monsieur Machin. Il veut absolument vous parler. Et Madame de Fontenay voulait me caser avec.